Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Alors aujourd'hui, on va faire un petit test. Justement, il y a un petit peu de vent. On va faire un test d'un petit micro que j'ai acheté sur AliExpress à moins de 7 euros. Alors, il y a un petit truc qui se branche, hein, comme vous voyez. Je vais vous montrer de toute façon. Et il y a deux micros sans fil. Alors, je les ai testés hier vite fait avec Michel. Bon, sur le P30 Pro, ça marche. Alors, j'ai repris le P30 Pro. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dans la boîte. Et puis après, on les testera à l'extérieur. Voilà. Alors ces vidéos fait un peu à l'arrache, hein, mais au moins vous verrez ce que ça vaut. Il y a le petit récepteur qui se branche en USB-C ou faut choisir pour l'iPhone. Hein. Moi j'ai pris pour USB-C. Et deux petits micros sans fil qui se rechargent en USB-C. Et le petit câble USB-C. Quoi. Voilà. Les petits micros sont comme ça. Il y en a deux. Hein. Hop. Deux petits micros comme ça, ils se rechargent là. Là vous verrez. Hein. Voilà. Et puis il y a un petit bouton ici là. Focus, voilà. Et un petit bouton là, et puis la petite pince pour les accrocher. On va tester ça, et on va voir si avec le vent ça marche ou pas. Bon, là vous voyez, passe au vent sans micro. Hein. Il y a un peu de zèf aujourd'hui, hein. Une petite rafale de temps en temps à 40-50 km/h. Il y a un beau soleil, hein. Voilà. Beau soleil, mais il y a des petites rafales de vent. Alors maintenant je vais brancher le micro, on va voir la différence si ça marche ou pas, hein. Voilà, comme ça vous aurez vu ce que ça donne. Je vais faire à peu près les mêmes mouvements, hein, comme ça. Hop. Et voilà, hein. Vous verrez. Voilà, comme ça vous verrez un peu, le micro il est là, accroché à la lanière là. Voilà, on verra ce que ça donne, je sais pas. Un petit test, hein, c'est rapide, ça va pas durer 3 heures. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Je vais me tourner pour voir si ça, au moins, si le vent il est dans le dos, au moins. Je mettrai le lien, hein, mais bon, c'est pas un lien d'affiliation, hein, c'est sur AliExpress, si ça vous intéresse. Après, il y a plein de modèles, comme ça, c'est pas cher. À voir ce que ça donne, je sais pas, hein, là, j'ai pas écouté encore, ce qui fait que je serai en même temps que vous, quoi, plus ou moins. Voilà, voilà. Allez, nous on continue. Normalement, Michel il va passer après. Là. Alors je l'attends, on verra. Je me remets comme ça face au vent. Comme ça, on verra ce que ça donne. Petit test vite fait. Il y en a deux. Il y a deux micros. Puis je viens de les charger. Je sais pas quelle autonomie ils ont. Hein, j'en sais rien. Ça, j'ai pas essayé. Je vous dirai ça dans le futur, en dessous de la vidéo ou quoi. Je vous dirai s'ils ont une bonne autonomie ou pas. Je les ai rechargés à fond aujourd'hui. Alors le petit truc qui se met dans le téléphone, ça, il n'y a pas besoin de jus. Mais on peut charger quand même le téléphone en même temps qu'on l'utilise. Hein. Ce qui est bien, c'est-à-dire que même si vous utilisez le petit Libi là, vous pouvez quand même charger le téléphone. Ça, c'est une bonne chose. On verra ce que ça donne, je sais pas. Là, le vent, je sais pas, on verra bien. Voilà, voilà. En tout cas, c'était du rapide. Mais voilà. Hein. Au pire, ce que je pourrais essayer, je vais essayer un truc. Ça tourne le compteur en haut ? Ouais. Bon. Bon, voilà. Là, c'est Wassila qui est en train de me filmer, toujours avec le P30 Pro et le petit micro. Je vais m'éloigner. On va voir quelle distance. Hein. Je vais compter les pas. Là, j'ai déjà 3 pas. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Alors là, elle est derrière moi. Hein. Je vais me tourner pour voir. Voilà. Je sais pas si on m'entend encore. On verra bien. Hein. Voilà, je vais refaire encore 10 dizaines de pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 pas. Voilà. Là, je vais être à peu près à 40 mètres d'elle. Hein, là, je suis face à elle. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je me tourne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va voir si ça marche. Je fais encore quelques pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. Voilà, j'ai une bonne cinquantaine de mètres. Hein, facile. Voilà, là je me tourne pour voir comment que ça fait. On va voir, je me mets dans l'autre sens. Voilà, est-ce qu'on m'entend encore ou pas? Bon, je vais pas aller plus loin, hein. Voilà, 50 mètres c'est déjà pas mal. Hein. Vous n'allez pas vous mettre à 300 km de votre téléphone pour faire une vidéo. Quoi. Voilà. Hein. Allez, je retourne jusqu'au téléphone. Et puis on va voir si ça marche ou pas. Moi je sais pas. Hein. Hier on a essayé avec Michel. Je suis à 30-35 mètres, ça fonctionnait encore. Voilà, on va voir.
peut-être une bonne petite trouvaille, ces petits micros à moins de 7 balles hein, sur AliExpress. Et des fois, pas besoin d'investir des millions, ça dépend, je sais pas. On va voir au résultat si ça cache bien le bruit du vent ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de zèf quand même. Hein. Il y a un peu de vent, il y a un peu de vent. Voilà. Allez, je vous fais les bisous. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Mettre la cloche. Mettre un pouce. Mettre un commentaire. Et tatati. Et tatata. Bon, je vous remonte vite fait à quoi ça ressemble. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai filmé vite vite. Bon, ça, c'est le petit truc qu'on met dans le téléphone. Comme je vous ai dit, là, on peut. Je sais pas si on verra, mais on peut charger en USB-C. Hein, voilà. En même temps qu'on l'installe dans le téléphone, on peut charger quand même le téléphone. Puis après, il y a les deux petits micros comme ça. Là, je vais essayer de mettre ça. Mais là, je vais essayer avec ça. J'avais acheté ça dans le temps. Hein. On appelle ça une queue de rat, je crois, ou un truc dans le genre. Et ça coupe encore plus le vent, il paraît. Alors, je vais essayer. Là. Je vais refaire un essai. Mais je trouvais que c'était pas mal. Hein. Franchement, vous allez voir dans la vidéo, quoi. Celui-là, il se charge ici en USB-C aussi. Hein. Et puis, en bas, il y a un petit bouton pour l'allumer. Et la petite pince pour l'accrocher, quoi. Voilà. Il y en a deux. Voilà. Pour lui, c'est ça. Hein. Je vous mettrai le lien à l'Express hein, si ça vous intéresse. Hein. Maintenant, je vais essayer avec ça et je vais me remettre en plein vent. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, au même endroit que tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai mis la petite moumoute, là, petit queue de rat. Là. Là, il y a du zèf. Du zèf, il y a du zèf. Voilà, on essaye, tranquille. Là, je suis face au vent. Hein. Le vent, il tape complètement dans le trench. Voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Sur le même petit micro. On va se tourner. Là, comme ça. Là, j'ai le vent dans le dos. Voilà, comme ça, là, j'ai le vent dans le dos, là. Voir ce que ça donne. Ouais. Mais à mon avis, c'est bon. Hein. Je viens d'essayer et ça a l'air d'être bien avec ça. Et je crie pas, hein. Je parle normalement. Voilà. Ouais. Juste à savoir. Si vous avez un Oppo, un OnePlus, un Vivo, Realme, c'est pas sûr que ça marche. Voilà. En tout cas, on a essayé avec Oppo. Je m'assis. Hein. On a essayé avec Oppo, OnePlus 8, ça marche pas. Hein. Ils disent qu'il faut activer l'OTG et tout. On a essayé, on a activé l'OTG, patati patata, ça marche pas. Hein. Voilà, ce qu'ils disent sur la petite notice là. Oppo, Vivo, Ego, Realme. Alors Oppo c'est OnePlus. Hein. Voilà, OnePlus c'est pareil. Realme. Eh bien, il faut activer l'OTG pour que ça fonctionne. Alors je vous le dis, sur Oppo déjà et OnePlus, ça fonctionne pas. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Et pour le reste, je ne sais pas. Hein. Moi j'ai mis ça sur le P30 Pro. Ça fonctionne, voilà. Sur les autres, ça fonctionnait pas. Ce qui fait que j'ai repris mon P30 Pro. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous en tout cas. Là, vraiment, la vidéo, elle est vraiment finie. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao à tout le monde.